La Vénois, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée sur des paysages atypiques. On est à 271 mètres d'altitude. C'est le point culminant du Nord. On a les plus vastes massifs forestiers ici sur le territoire, la forêt de Mormal, la forêt de Trélon. Et puis, comme vous le voyez, l'eau qui est toujours présente avec notamment ce moulin de Maroilles. Il y a plein de mystères, plein de petites choses à découvrir. Il y a l'église de Solre-le-Château qui est curieusement penchée, qui a une forme en tulipe, qui est à 60 mètres de hauteur. C'est un territoire où il faut se laisser aller à découvrir ces petites routes. Et puis, par hasard, on découvre ce temple de l'amour construit par un dénommé Talleyrand, un des pères de la Révolution française, et qui avait l'habitude d'emmener ses conquêtes jusqu'à ce temple de l'amour qu'il a fait ériger spécialement à cette occasion. Le Val-Joly, un site touristique majeur ici en Avesnois. C'est un lieu de balade, donc un lac de 180 hectares qui est entouré par les forêts, avec une offre d'hébergement, avec une offre d'activité de loisirs qui est très dense. Au-delà des activités qui peuvent être pratiquées, je trouve que c'est un lieu qui est relativement magique. Du matin au soir, on a des ambiances qui sont différentes, avec la présence de l'eau, avec la présence de la forêt, et puis un petit rayon de soleil là-dessus, c'est absolument merveilleux. La Vénois, ce sont aussi des savoir-faire. Le textile, la pierre bleue, le verre ont toujours été travaillés ici localement. Et toutes ces histoires-là vous sont racontées dans le réseau de l'écomusée de la Vénois. Nous sommes au Muse Vert, le nouveau musée du verre départemental ici dans ce petit village de Sarcoterie. Alors je dirais qu'on est déjà impressionné par le bâtiment lui-même, qui est magistral, qui est monumental et qui est parfaitement intégré dans le paysage. Et puis une fois qu'on pousse les portes, on découvre les différentes œuvres qui sont présentées. Le choix du musée justement, c'est de laisser libre cours aux visiteurs de faire sa propre interprétation. Le verre est largement abordable, il est dans notre quotidien habituel. Et là, on découvre véritablement que le verre peut être support à la création artistique, au travers de ses couleurs, au travers de ses matières, au travers de ses différentes techniques pour le travailler. On voit tout ce qu'il est possible de faire avec ce matériau. On voit que c'est véritablement un matériau contemporain qui s'inscrit dans le 21e siècle, à la fois au travers du travail artistique, mais le Muse Vert souhaite aussi faire des liens avec la création industrielle aussi. Donc on est véritablement dans un musée qui s'oriente sur la création du 21e siècle. Sur un territoire bocager et fait de pâturage. Et bien sûr, le maroilles, alors la traditionnelle Flamiche au maroilles, ça fait partie du patrimoine. Alors, le maroilles, c'est la plus vieille AOC au nord de Paris. C'est un fromage à pâte molle à croûte lavée qui a une couleur rouge naturelle. C'est sa couleur rouge qui donne aussi son odeur, sa fameuse odeur. Nous sommes producteurs de maroilles fermiers depuis deux générations. Nous produisons notre fromage en famille, ici sur la ferme, avec le lait de nos propres vaches.
Ce lait, une fois qu'il va être emprésuré, il va cailler, c'est-à-dire que ça va nous faire un gros yaourt. Ce yaourt, on va le découper en petits grains de caillé qui vont être brassés pour déjà faire partir une partie du sérum. Ensuite, on va le mouler pour qu'il prenne la forme et qu'il continue à s'égoutter pendant environ 24 heures. Ensuite, le lendemain, on les démoule, on les sale et on va commencer l'affinage, c'est-à-dire qu'on va les brosser deux fois par semaine jusqu'à ce qu'ils prennent leur couleur et ensuite une fois par semaine. On pense que ça va être un fromage très très fort, mais en fait il est très doux, très agréable. Quand on a goûté au maroilles, on ne sait plus s'en passer. J'ai l'habitude de dire qu'il faut se laisser aller au rythme de la baignoire, en toute quiétude. Pour les citadins, c'est véritablement une rupture. On peut profiter du temps présent, et puis c'est un lieu où on peut s'oxygéner, on peut se cultiver, on peut s'amuser aussi. Et puis c'est une ambiance, c'est véritablement une invitation au voyage qui est permanente. C'est absolument merveilleux.